Bonjour, voici encore une petite blagounette en espérant que ça va vous faire passer un bon moment. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est tombé en panne en rase campagne et donc qui arrive à une ferme et dit ben voilà, faut que j'emmène ma voiture à réparer, je ne sais pas comment faire. Alors, le fermier dit c'est pas grave, vous allez faire venir la dépanneuse et vous passerez la nuit ici, pas de souci, je vous héberge, c'est bien volontiers. Donc, l'homme, il est très content, il accepte, donc il passe la nuit, voilà, il est bien accueilli, il a bien dormi. Et le matin, donc, quand le garagiste lui ramène la voiture, il est un petit peu embêté parce qu'il voulait dédommager le paysan, mais il n'a pas d'argent sur lui. Alors, comme il a des talents de ventriloque, il a dit, bon, ben, je vais un petit peu, voilà, je vais lui faire cette petite récréation. Donc il lui dit, est-ce que vous pouvez me faire visiter un petit peu voilà, votre poulailler, vous montrer vos animaux? Il a dit pas de problème. Donc il va voir le poulailler et tout d'un coup donc il parle à la poule, il a dit bonjour la poule, ça vous plaît ici? Et donc la poule répond il répond à la place de la poule, puisqu'il est ventriloque, qui dit « Oh ben oui, ça me plaît ici, il y a le paysan qui me vole mes œufs, mais autrement ça va. » Alors le paysan entend ça, il a dit « Eh ben, il a dit, vous arrivez à parler aux poules, mais c'est fantastique ça. » Alors il dit « Vous pouvez montrer votre étable ?» Alors il dit « Ben oui, bien sûr, on va voir ses vaches et tout. » Donc, l'homme s'approche d'une vache, il fait « Bonjour, madame la vache, est-ce que ça vous plaît ici ?» Et la vache répond « Oh, bah oui, ça me plaît, même que le paysan, il me prend tout le lait, mais ça va. » Alors, le paysan dit « Eh bien, dis donc, vous parlez même aux vaches, mais ça, c'est merveilleux. » Alors, il a dit « Bah oui, je peux parler à tous les animaux, hein. » Donc, et donc à l'étable, il traverse, enfin il continue, et il s'approche d'une chèvre. Et donc le paysan, quand il voit ça, il fait « Non, 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 ne la croyez pas, c'est une menteuse. » Voilà, au revoir.